Croustiz, bienvenue sur Croustitui, dans cette émission qui déboîte pour une toute nouvelle figurine, une nouvelle unboxing. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Qu'avons-nous aujourd'hui? Nous avons du Code Geass, hein, EXQ Figure, Lelouch Lampelouch of the Rebellion, hein, voilà. Alors, on fait un petit tour de la boîte, ici. Magnifique, de toute beauté, hein. Voilà, ici, hein, pareillement, également, voilà, hein. EXQ, c'est écrit quelque chose sur la couronne, non? Ah oui, si, si, j'arrive pas, extra, hein, oh, c'est écrit en reverse, enfin bref, voilà, hein, des 15 ans et plus, hein. Le cutter, bien entendu le cutter, allez hop, nous procédons à l'ouverture de cette boîte. Oui, je ne suis pas tout seul dans ma tête. Hop, allez. Ichtolo. Voilà, voilà, voilà. Ah, du Code Geass, hein. Ouais, bah, non, j'ai bien aimé la série, hein. Donc, quand j'ai vu la série, j'ai dit, ah, une petite figurine de Lelouch Lampelouch. Ah, oula. C'est marrant, j'ai jamais vu ça. Bizarre, original. Alors, combien avons-nous de pièces? Une, deux et trois pièces. Hop, bon, t'as un petit peu de lumière, hein. Hop, petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est ses pieds. Ses pieds. Non. Ah non, il y a plus de. Il y a 4 pièces. Hop, viens là toi beau gosse. Vas-y. Et le petit socle. Plastoc, hein, bien épais. Alors, voyons comment est cette figurine. Bien sympathique. Oui, qu'on voit son œil. Des petits défauts de peinture. On va être patillon, hein. Peinture. Alors, ça, c'est souple. C'est bien souple, même. Hein. C'est marrant. On peut un peu jouer avec, hein, je pense. Mais ouais, niveau peinture, j'ai connu mieux niveau peinture. Les cheveux. Les cheveux avec un petit côté pâté, là, j'ai l'impression, hein. Côté pâté, oui, un petit peu. Bon, la posture, elle est classe, la posture. En mode, c'est moi le boss. C'est moi la base du game. N'est pas me chercher. Ouais, ah, franchement, bien sympa. Alors, par contre, d'accord. On va mettre ses pieds. Non, ses pieds, hein. Ça, c'est le pied gauche. M'a tout l'air que c'est le pied gauche. Ah, des chaussures bien brillantes. Il a mis du cirage. Hop. Voilà, ok, d'accord. Je ne pense que je ne me suis pas trompé, oui, c'est bien ça. Et nous allons le mettre sur son socle. D'accord, alors, hop, oui, oh, nickel, oui. Nickel, parfait, voilà. Voilà la bête. Oh, ça m'embête, là, les petits défauts de peinture, là, ici, là. Je sais pas si je peux gratter ou... C'est pas top ça, hein. Ça, là, j'ai que du mien avant de presto, là. Là, vous me décevez un petit peu, là. Puisque c'est bien devant. Lelouch Lampelouch. Alors, elle est très grande, elle est jolie, hein. La posture est bien sympatoche. Avec ce côté un petit peu torturé, mais c'est le boss en même temps. Petit côté albator. Albator, hein, lui, plutôt, hein. Quand on connaît un peu la licence, il est capable de tout. Hop, on va mesurer. Alors, il mesure combien? C'est le louche lampelouche. Il mesure 26 cm. 26 cm. Voilà. Est-ce que je vous la conseille? Bon, je vous dirais pas trop. Je connais mieux. Après, dans la licence, je ne sais pas ce qu'il propose en figurine. Mais ouais, sinon elle est sympatoche, hein. Regardez la ceinture, ils ont pas travaillé le... Non, pas de peinture, hein. Le strict minimum.
Bon, ouais, voilà. Ça se tient pas, hein. On peut faire. Au sèche-cheveux, on peut lui faire des autres mouvements. Non, mais l'intérieur, c'est travaillé quand même. On voit comme si c'était du vrai tissu, mais. Ouais, comme ça. Ouais, si, sympatoche quand même, hein. Sympatoche pour ceux qui aiment la licence. Voilà. Je vais mettre un crousti de bronze. Ouais, crousti de bronze. C'est juste, ouais. Limite, voilà. Hein, voilà. Voilà, les amis, hein, je pense qu'on a fait le tour de cette figurine. Hein, je vois pas ce qu'on pourrait dire de plus. Hein, franchement, voilà. Hein. Donc, vous n'hésitez pas, un petit commentaire juste en dessous, le petit pouce si ça, cette vidéo vous a plu. Vous continuez à nous suivre sur les réseaux, hein, Facebook, Insta, hein, bien entendu. Hein, la petite boutique, hein, si vous voulez nous soutenir, hein, petite boutique de t-shirt. Puis voilà, hein. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bisous, ciao !